Quand j'ai appris que les Jeux olympiques auraient lieu dans votre pays, j'étais très excitée. Je me suis également posé quelques questions. D'abord, depuis quand les Jeux olympiques existent-ils? Y a-t-il toujours eu les Jeux olympiques? Maman! Qui a inventé les Jeux olympiques? Ah, je vois, vous n'en savez rien. La légende se déroule en Grèce et raconte que ce serait Zeus, le dieu suprême des Grecs, qui aurait pour la première fois invité tous ses amis, les dieux, à s'affronter dans diverses épreuves. Quoi qu'il en soit, c'est à Olympie, en Grèce, en l'an 884 avant Jésus-Christ, qu'un roi aurait demandé à tous les Grecs de cesser toute guerre et s'unir pendant un mois dans l'harmonie, le temps des Olympiades. Oui, vous avez raison d'être surpris. Les premiers Jeux olympiques ont été appelés les Jeux de la Grèce antique. Il n'y avait alors qu'une seule épreuve, et les femmes y étaient exclues. À compter que la 37e Olympiade, les femmes et même les enfants ont été invités à participer aux Jeux, qui comptaient alors différentes épreuves de course, puis de lutte et de boxe. Et tu sais, les vainqueurs qui recevaient alors une couronne de feuilles d'olivier comme récompense étaient considérés comme des demi-dieux. Mais voilà que les jeux étaient devenus de plus en plus violents et que la tricherie était malheureusement installée. Vers l'an 400 après Jésus-Christ, un empereur les a tout simplement interdits. C'est ainsi que prenaient fin 1200 années de Jeux olympiques à tous les 4 ans. Mais devinez quoi? Un jour, un Français du nom de Pierre de Coubertin veut imposer l'exercice physique dans les écoles. Il travaille fort et organise même de nouveaux Jeux olympiques. Et oui, c'est en 1896, près de 15 siècles plus tard, que reprennent à Athènes, en Grèce, les nouveaux épisodes des Jeux olympiques, qu'on appelle maintenant les Jeux olympiques modernes. Les 5 anneaux représentent les 5 continents. Ils sont entrelacés pour indiquer l'universalité de l'olympisme et la rencontre des athlètes du monde entier. Au moment des Jeux olympiques, sur le drapeau olympique, les anneaux apparaissent sur un fond blanc. Les 6 couleurs du drapeau, bleu, jaune, noir, vert, rouge et blanc, représentent toutes les couleurs présentes sur les drapeaux de tous les pays du monde. Le logo officiel reprend 2 caractères de l'alphabet coréen. Le premier est la lettre P de Pyeong. La seconde, la lettre CH de Chang. La première lettre représente un lieu de rassemblement où 3 éléments sont en harmonie, le ciel, la terre et l'homme. La seconde lettre symbolise la neige, la glace et la venue à Pyeongchang des gens venus des 4 coins du monde. Les couleurs du logo sont 5 couleurs. Le noir, le bleu, vert, que le coréen ne distingue pas, le jaune, le rouge et le blanc. Ce sont aussi les couleurs du drapeau olympique. Le slogan « Passion connectée » a été dévoilé exactement 1000 jours avant les Jeux lors d'un événement spécial à Séoul. Le mot « passion » représente ici la façon dont Pyeongchang accueillera les Jeux olympiques de 2018. L'esprit des Jeux et l'hospitalité unique des Coréens. Le mot connecté, quant à lui, représente l'ouverture d'esprit de la ville ainsi que la culture et technologie coréenne. Ces deux mots combinés symbolisent la vision de Pyeongchang pour répandre le goût de participer à des sports divers en Asie. Sorang, la mascotte des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018, est un tigre blanc. Le tigre blanc a longtemps été considéré comme un gardien, un animal protecteur de la République de Corée. Soho est le mot coréen pour protection, ce qui fait référence à la protection des athlètes, des spectateurs et des autres participants aux Jeux de 2018. Le mot orang décrit quand à lui du mot coréen orang-el, lequel signifie tigre. L'ours est très régulièrement apparu en tant que mascotte olympique. Mada décrive de Banda, signifiant demi-lune comme celle qui porte les os noirs d'Asie sur la poitrine. Bi marque, lui, la célébration des Jeux.
Vous saviez que la flamme olympique a traversé la Corée du Sud tout entière avant d'allumer la vasque à Pyeongchang? Ben non, on n'allume pas la flamme avec un briquet, c'est toute une cérémonie. D'abord, la flamme est habituellement allumée de façon naturelle par le soleil au Temple d'Héra à Olympie en Grèce, 4 mois avant le début des Jeux. Elle a été allumée en octobre 2017 et a voyagé sans s'éteindre depuis ici. Vous avez raison, c'est toute une traversée. La flamme est arrivée à Pyeongchang 100 jours avant le début des Jeux. Un parcours de 2018 km à travers la Corée du Sud. En tout, elle a été transportée par 7500 porteurs qui se sont relayés le flambeau sous l'œil de milliers de supporters. C'est tout un événement. Jamais elle ne s'est éteinte. Elle s'est éteinte officiellement le 25 février pour signifier la fin de nos Jeux olympiques d'hiver. Bonjour, Sorang. Tu aimerais jouer aux devinettes avec moi? Maman, oui! Savais-tu que l'on compte 15 sports d'hiver aux Jeux olympiques? Je vais tenter de te faire deviner l'un de ces sports. Tu es prêt? Allons-y. Premier indice. Ce sport se pratique depuis 150 ans. On l'a vu pour la première fois aux Jeux olympiques d'hiver de 1936. Tu as une idée? Maman! Deuxième indice. Les gens pratiquent ce sport pour peuvent atteindre des vitesses atteignant 130 km par heure. Maman! Eh oui, c'est ça. Le ski alpin. Bravo, Sora. Bonjour, bande d'habits. Tu veux essayer de deviner toi aussi? Va! Tu crois que tu peux être plus rapide que Sorang et trouver le sport avec un seul indice? Voyons voir. Ce sport existe depuis plus de 500 ans. Il compte 10 manches comme le baseball. Tu vois de quel sport je veux parler? Maman! Voici un autre indice. Pendant chaque manche, chacune des équipes de 4 personnes font glisser une pierre sur la glace vers un grand cercle. Les membres de l'équipe balayent la glace devant chaque pierre pour en contrôler la vitesse et la direction. L'équipe ayant le plus de pierres près du centre des cercles remporte la victoire. Tu connais la réponse? Bravo! C'est bien le curling! Alors, Sorang, tu es prêt pour une autre devinette? Je sais que tu aimes beaucoup les sports qui demandent l'utilisation de patins à glace. Alors voilà, écoute bien. Ce sport compte 4 disciplines officielles. Les épreuves pour hommes, les épreuves pour dames, et les épreuves pour couples et la danse sur glace. Pour chaque performance, 9 juges donnent une note pour chaque élément exécuté, ce qui compose la note technique. Madame! Tu sais de quel sport il s'agit? Eh oui, c'est le patinage artistique. Savais-tu que le patinage artistique est devenu une discipline olympique avant même l'existence des Jeux olympiques d'hiver? Il est apparu à l'occasion des Jeux olympiques d'été de 1908 à Londres, où l'on a présenté des épreuves individuelles et de couples. Bon ami, il est vraiment superbe ton traîneau. Tu l'as fait toi-même? Est-ce que tu savais que les Jeux olympiques comptent 3 sports de glisse? Tous 3 sont nés de l'idée d'utiliser un traîneau ou toboggan pour glisser sur la neige ou la glace. En hiver, l'utilisation d'un traîneau pour se déplacer et s'amuser remonte à environ 700 ans. Tu me demandes si ça fait longtemps que la luge fait partie des Jeux olympiques? Eh bien, la première compétition internationale de la luge a eu en 1883, mais il a fallu attendre en 1964 pour que ce sport fasse son entrée dans les Jeux olympiques d'hiver. Sais-tu à quelle vitesse peut aller un traîneau? Je sais que le traîneau est ultra rapide, mais qu'en es-tu la vitesse exacte? Imagine-toi
que le traîneau peut y aller jusqu'à 140 km à l'heure. Bonne exemple, bonne avis, il ne va pas trop vite. Hey, Suoran, comme je sais que tu aimes beaucoup le hockey, j'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider à en apprendre davantage à propos de ce sport. Ah oui, alors un match ordinaire se compose de 3 périodes de 20 minutes, séparées par des entractes de 15 minutes. Et que se passe-t-il en cas d'égalité? Alors, en cas d'égalité à l'occasion d'un match comptant pour l'obtention d'une médaille, il faut ajouter une prolongation avec arrêt au premier but marqué. Ah! Crois-tu pouvoir nous apprendre autre chose sur ce sport? Vraiment? Les tournois de hockey sur glace des Jeux olympiques d'hiver se déroulent au centre de hockey de Gagneux. Je sais toutefois que 12 équipes masculines et 8 équipes féminines se disputent les médailles. Merci, Suoran, pour ton aide. Bon match! Eh bien, Bandabi, comment s'est passée ta descente? Tu es allé vraiment vite. Je vois, tu es un petit curieux. Tu te rappelles que tout à l'heure, je te mentionnais qu'il y avait 3 sports de glisse et tu aimerais bien les connaître. Je te fais alors deviner le 2e sport dans lequel il faut utiliser une luge. Voyons voir si tu seras en mesure de le découvrir. Tout d'abord, je dois te dire que la luge a été modifiée pour être super rapide et aérodynamique. La luge est munie d'une coque. Pour dévaler la pente, les athlètes doivent d'abord pousser leur luge et sauter à l'intérieur. Autre indice, il y a un pilote qui dirige la descente et freine à l'arrivée du bas de la pente. On peut en faire la compétition à 2 hommes, à 2 femmes ou à 4 hommes. Tu donnes ta langue au chat? Maman! Difficile, hein? Eh bien, je te parle du bobsleigh. Il a fait son entrée dans les Olympiques d'hiver en 1924, mais seulement en 2002 pour ce qui est du bobsleigh pour femmes. Sens-tu ta tête pour trouver le prochain sport? Maman! Voici. Le sport dont je te parle est pratiqué sur une patinoire de hockey, mais qu'on a modifié en retirant les panneaux tout alentour et en ajoutant un système de coussins d'air pour amortir la chute des patineurs dans les virages. Les patineurs avec des longues lames sous leurs patins avancent vraiment vite. Et ce n'est pas tout. Il se place dans une position très aérodynamique en se penchant par devant et en plaçant leur bras droit derrière leur dos afin d'aller le plus vite, le plus rapidement possible. Tu crois que ce sport est tout nouveau? En fait, ce sport du nom de piste courte est montré pour la première fois au dernier jeu Olympiques d'hiver canadiennes qui avaient lieu à Calgary en Alberta. Hey, Sohan, j'ai une autre devinette pour toi. Je sais que tu es un grand sportif. Tu réussiras sûrement facilement à trouver la réponse. Écoute bien. Tout d'abord, c'est un sport qui se pratique avec des skis. Je peux te dire que ce sport était au départ une façon de se nourrir par les chasseurs dès 2000 ans avant Jésus-Christ. Tu te rends compte? Il est vieux de 3000 ans au moins. Prochain indice. Les premiers championnats de ce sport n'ont eu lieu qu'en 1960 et ce n'était réservé qu'aux hommes. Il a fallu attendre jusqu'en 1992 pour que les femmes aient aussi le droit de participer à cette discipline. Tu as une idée? Dernier indice. Le nom de ce sport vient du grec et signifie 2 épreuves. Les athlètes doivent effectuer un trajet le plus vite possible en ski de fond et atteindre des cibles à l'aide d'une carabine. Alors, Sohan, connais-tu la réponse à ma devinette? Non, non, non! Bravo, Sohan, tu as la réponse.
Ce sport s'appelle bien le biathlon. Alors, Souraine, tu es maintenant reposé de ton biathlon? J'ai une autre devinette pour toi. Tu es prêt? Voici le premier indice. Il s'agit d'un sport pour lequel on doit utiliser des skis et qui fait partie des sports olympiques depuis les premiers Jeux en 1924. Tu as une idée? Maman! Non, Souraine, il ne s'agit pas du ski de fond. Deuxième indice. Les athlètes dévalent une longue rampe que l'on appelle piste d'élan, qui leur permet de s'élancer dans les airs à des vitesses allant jusqu'à 95 km par heure. Tu as trouvé la réponse? Bien joué, Souren. Il s'agit du saut à ski. Et Souren, tu es prêt pour une autre devinette? Tout à l'heure, tu as découvert un sport comprenant deux épreuves. Tu te rappelles? Oui, c'était le biathlon. Il y a une autre discipline olympique qui comporte deux sports. Tu dois savoir que l'athlète doit tout d'abord sauter d'un tremplin en ski alpin, ce qui demande de la force physique et de la maîtrise technique. Puis faire une course de 10 km en ski de fond, ce qui demande de l'endurance et de la force. Oui, Zorin, tu serais sûrement assez fort pour pratiquer ce sport. C'est comment on le nomme? Puisque l'on combine deux sports d'hiver, il s'appelle le combiné nordique. Entre-temps, entraîne-toi à skier. Alors, Soren, comment s'est passé le saut à ski? Bang, papa! Wow, tu as fait un saut vraiment haut! Bang, papa, tu demandes s'il existe d'autres sports qui utilisent des skis? Je connais un sport qui est une combinaison de surf, de la planche à roulettes et du ski. Il a été ajouté au sport de jeux d'hiver en 1998. Oui, Soren, il agit bel et bien du surf des neiges. Il existe quatre épreuves en surf des neiges. Tout d'abord, la demi-lune, où le plancher s'exécute des sauts acrobatiques, des vrilles et des figures en se déplaçant d'un côté à l'autre d'une rampe. Ensuite, il y a le slalom géant, où deux planchers se dévalent côte à côte en pente sur laquelle se trouve une série de portes. On retrouve le snowboard cross, où quatre planchers se dévalent ensemble en parcours sur laquelle a été placé différents obstacles de saut. Cette année, on a ajouté le Big Air, une compétition de saut. À ton tour de nous montrer comment tu te débrouilles sur Orange. Connais-tu le troisième sport de glace? Maman! Il avait été présenté en 1928, puis en 1948. Il n'est apparu qu'en 2002. Le nom du traîneau est aussi le nom de la discipline sportive. Au départ, il était fait de métal. Il ressemblait un peu à peu à un squelette, en fait. Ah, maman! Oui, Soren. Le mot squelette a seulement aidé à trouver la réponse. Effectivement, le troisième sport de glisse se nomme le skeleton. C'est un sport de luge qui se fait seul. Il ne faut pas avoir la trouée pour le pratiquer, car il faut pousser la luge embarquée sur le ventre, la tête première, et dévaler la pente. Tu aimerais essayer? Hé, hey, Soren, tu es prêt pour une autre devinette? Pas bien, pas! Non, Soren, il n'existe pas un quatrième sport de glisse. Voyons voir si tu veux découvrir de quel sport il s'agit. Tout d'abord, il te faudra des skis. Bang, maman! Non, ce n'est pas le ski alpin. Laisse-moi te donner un deuxième indice. C'est un sport qui, pendant des siècles, aura servi aux peuples des régions froides à se déplacer plus rapidement ainsi qu'à chasser. Il est considéré comme un sport olympique depuis les premiers Jeux d'hiver de Chamonix en France qui ont eu lieu en 1924. Connais-tu la réponse? Autre indice. Les athlètes ont deux choix. Ils doivent laisser leurs skis glisser parallèlement sur des pistes où ils se déplacent, un peu comme dans le patinage de vitesse, et se propulsent en poussant de côté sur leurs skis.
Bravo, Solomon. Il s'agit bien de ski de fond. Ah, rebonjour, Solomon. Es-tu prêt à troquer tes skis de fond pour des skis plus courts et plus larges? En 1960, est née une forme de compétition qui est un mélange entre le ski alpin et les acrobaties. On l'appelle le ski acrobatique. Oui, tu as raison, Suren. Il y a trois épreuves olympiques du ski acrobatique. Tu connais sûrement la célèbre épreuve des bosses et celle des sauts périlleux, tel le twister ou l'hélicoptère qui n'est rien de moins qu'un tour de debout de 360 degrés. Ouf! Et ce n'est pas tout, Souverain. Une nouvelle épreuve fait son entrée aux Jeux olympiques d'hiver 2010 de Vancouver. Il s'agit du ski cross. Les skieurs descendront quatre à la fois et rencontreront des bosses, des virages serrés, des sillons, des sections où le terrain sera plat. C'est vraiment un mélange de ski traditionnel et de ski acrobatique où la vitesse sera à l'honneur. Et bonjour, Sorin. Tu es toujours un aussi grand fan de sport d'hiver à ce que je vois? Ah oui, c'est Bandavi qui compétitionne aujourd'hui. Mais comme c'est étrange, pourquoi est-il placé sur une luge avec des bâtons de hockey? Les Paralympiques, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Les Paralympiques sont des Olympiques, mais adaptés aux personnes handicapées. Après la Seconde Guerre mondiale, certains sports ont été adaptés spécialement pour les personnes handicapées, afin de permettre aux combattants blessés de recommencer à pratiquer un sport qu'ils aiment. Les premiers parcours pour athlètes handicapés ont été créés en 1948. Les sports présents aux Paralympiques sont le ski alpin, le biathlon, le ski de fond, le curling sur fauteuil roulant et le hockey sur luge, comme pratique présentement Bandavi. Allez Bandavi, ne lâche pas! Voici finalement le 15e et dernier sport des Jeux d'hiver. Sais-tu de quoi il s'agit, Bandavi? Pas maman! Ne t'en fais pas, mon ami tout poilu. Je vais te donner suffisamment d'indices pour que tu le devines. Tout d'abord, tout comme la piste courte, ce sport de patinage est pratiqué sur une patinoire de hockey modifiée. Mania! Oui, ça te dit quelque chose? Dans cette course contre la montre, le temps est chronométré au centième de seconde près. Les athlètes s'affrontent par paire, patinent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de la piste ovale et changent de couloir à tous les tours afin d'égaliser la distance parcourue. Et ce n'est pas tout, Bandabi. Le patinage de vitesse est le sport le plus rapide propulsé par un humain sans aide mécanique. Les patineurs peuvent atteindre des vitesses de plus de 60 km/h. De quoi faire redresser toutes les poils, mon ami.